Le prince William est devenu l'héritier du trône après la mort de la reine Elisabeth II et a été créé prince de Galles le 9 septembre. Le nouveau prince de Galles montre à quel point il prend au sérieux le rôle de monarque qu'il est destiné à hériter de son père le roi Charles III, également à travers le choix des aides qu'il a fait au fil des ans, selon un auteur royal. Valentine Lo, une correspondante royale qui a récemment écrit le livre Courtier, The Hidden Power Behind the Crown, a noté que le prince William a choisi au fil des ans d'être soutenu par des aides qui n'ont pas l'expérience traditionnellement détenue par la plupart de leurs collègues. Au contraire, le prince de Galles a choisi des personnes qui ont travaillé avec le gouvernement avant de rejoindre la maison royale. Interrogé sur ce que ce choix différent pourrait dire du travail et des projets de William pour l'avenir, M. Lo a déclaré à express.co.uk, « Je pense que cela montre qu'il est conscient du fait qu'il travaillera éventuellement en étroite collaboration avec le gouvernement et il a besoin pour comprendre comment tout cela fonctionne et il doit avoir une profonde appréciation de son rôle constitutionnel lorsqu'il devient roi, donc je pense que cela montre à quel point il prend ce rôle au sérieux. Je sais qu'en remontant dans l'histoire, Édouard VII, le fils aîné de Victoria, a estimé qu'il avait reçu peu de préparation pour son rôle de roi, alors que William peut déjà voir des documents gouvernementaux, même du vivant de la reine. Sa préparation a commencé. Un autre auteur royal, Robert Lacey, a précédemment affirmé que William avait déjà été initié à certaines des principales fonctions qui devraient être remplies par un souverain. Il a déclaré au magazine People en 2017, quand William deviendrait adolescent, elle l'aurait au château de Windsor et ouvrirait les boîtes de l'État et le guiderait à travers les journaux. C'était l'éducation constitutionnelle de William.